Coucou YouTube, bienvenue pour cet épisode, je ne sais plus combien, de Gorla Yassi, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le sixième jour de stream sur le jeu. Hop, allô Mora, c'est parti. On commence direct. On commence direct, je sais pas si vous avez vu sur FF14, il y a eu la mage. Tu es à moi à présent. J'hésitais à la faire aujourd'hui. Mais bon, finalement, j'ai trop envie de jouer à Harry Potter pour. Oh, il y a un truc qui vole. Oh, ma guise. J'ai envie de jouer à Harry Potter plutôt qu'à FF. Et puis FF, la mage, c'est surtout du farming. Donc, bon, tout seul, c'est ouf. C'est pas ouf. Enfin, il y a eu la suite de la relique qu'on fera. Enfin, que je ferai, je pense. Et il y a. Il y a le donjon sans fond qu'on fera sûrement avec Ophi et Alex. Et puis voilà. Voilà. Niveau 3, on peut pas. Revelio. Faut que je me rappelle un petit peu les touches. Et. Allez, grappe. Grappe. Saute. 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 Revelio. Action. Viens là, toi. Hop, c'est good. Est-ce que je peux le faire? Non. Est-ce que je peux faire là-haut? Je pense pas, c'est la même maison. Nope. Ok, bon, go faire la quête. Go faire la quête. Niveau 3. Ce traîne savate va avoir ce qu'il mérite. Ah, c'est pas la même quête. Il y avait deux quêtes, c'est vrai. Est-ce que tout va bien? C'est gentil de demander. Je m'appelle Ackley Barnes. Et non, ça ne va pas. Je prépare une sorte de vengeance contre mon ancien partenaire d'affaires. Une vipère du nom d'Alfred Lollet. Il m'a évincé de notre affaire de fourniture de botanique alors que nous venions de nous lancer. Selon lui, je serais trop lunatique. Lunatique, je te jure. Ça a dû être vraiment frustrant pour vous. Oui, oui, ça l'a été. Je suis passionné par mon travail. Imbécile arrogant, lui aussi est passionné. Et je compte bien le lui rappeler, en lui dérobant sa précieuse possession. Une tentacula vénéneuse qu'il a fait pousser et qui devait être la clé de voûte de notre affaire. Et je ne peux pas m'en approcher, Rutzinger me surveille comme un auguret, à cause de Lollet sans doute. Mais personne ne soupçonnerait un élève. Alors, qu'en pensez-vous? Vous voleriez la plante pour moi? J'irai chercher la tentacula vénéneuse. Fantastique! Je savais que la justice vous tenait à cœur aussi. Prenez autant de fournitures de botanique qu'il vous faut. Tout ce que je demande, c'est que vous me rapportiez la tentacula vénéneuse. On va s'en occuper. N'oubliez pas. Mais c'est pas très gentil. Il faut seulement cette tentacula vénéneuse. C'est pas très gentil tout ça. C'est sûr. Je dois donc trouver la cave de Monsieur Lollet. C'est pas très gentil, on vole des choses. Ce doit être la cave. Il ne me reste plus qu'à trouver cette tentacula vénéneuse. Monsieur Lollet ne doit pas me voir. Regarde. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était un ennemi à buter. Revelio. Pourquoi je peux pas ramasser? D'accord, il y a des pièces que je peux pas ramasser. Revelio. Mais non, tu me vois pas. Allô, Mora. Qu'est-ce qui se passe? On m'a vu. On m'a vu. Ça a peut-être débloqué les pièces. Monsieur Lollet ne doit pas me voir. Revelio.
Allô, Mora. Allô, Mora. Où est cette tentacula vénéneuse ? Revelio. Ah mais j'aurais pu passer par là. On se fout de votre gueule, littéralement. Bon, les pièces là-bas sont buggées, je comprends pas pourquoi. Et du coup, il y a un coffre là-bas. Envie de mourir. Revelio. Attends, mais c'est fou que ces pièces que je puisse pas les ramasser, ça. Ça me perturbe. Hé boy. Petite paire de gants. Ok. Je sais pas pourquoi ça... Je sais pas quoi ça servait de faire le Mora. C'est un peu bête. Ah, il y a des ennemis, vraiment. Ils ne m'ont pas vu. Revelio. Ils ne m'ont pas vu, bien évidemment. Petrificus Totalus. Ça s'est bien passé, non? J'ai Petrificus Totalus des araignées. Qu'est-ce donc? Ah, des choux. Des choux bordés. Hein. Je vais ramasser ça? J'ai ramassé ça, mais attendez, je peux peut-être choper ça là-bas. Revelio. Je crois pas que ce soit par là, mais bon. Quand je me dis je peux, je fais. Hein. Faut pas me le dire deux fois. Incendio. Il doit se dire, ah, putain, mais c'est quoi ce bordel? Y'a que moi pour tomber ici. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Maintenant que j'ai récupéré la tentacula vénéneuse, je dois retourner voir Monsieur Barnes. Je peux toujours pas récupérer les pièces. Hein. Bah non, elles sont buggées. Ça, quel plaisir. Mais non, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Je vais prendre le truc pour être encore plus furtif, mais bon, ça sert pas à grand chose, je trouve. Bonjour, là. Avez-vous réussi à récupérer? Bonjour, j'ai Monsieur Barnes. J'ai votre tentacula vénéneuse. J'aimerais voir la tête de Lolley quand il réalisera que sa précieuse plante a disparu. On verra qui est lunatique. Bien joué. Laissez-moi vous en débarrasser. J'apprécierais une compensation. Je n'étais pas tranquille de la. On est vraiment trop gentil. Je vais me faire une montagne de galions. Et l'affaire de Lolley coulera. Voici un petit quelque chose à dépenser chez Onko. Oh, je donnerai tout pour voir la tête que fera Lolley la prochaine fois qu'il se rendra dans sa cave. Et du coup, la quête que je voulais faire, elle était la dengue. Alors, j'aurais peut-être dû être en bas tout de suite d'abord, faire le tour par,
par l'extérieur. Revelio. Oh, attendez. Ah mais non, c'est pas dans la même place. Enfin, c'est pas dans le même truc. Il y a peut-être un petit truc sympa. Comme j'ai jamais fait le Mora ici, franchement pas. Ravi de vous voir. Ravi de vous voir. Dis-moi tout. Bonjour Sirona, j'ai reçu votre hibou. Tout va bien ? Bonjour. Vous avez réussi à trouver Lodgok ? Oui, merci. Nous avons pu discuter. Il vous passe le bonjour. Ravi de l'entendre. Je me passerai des détails sur votre conversation. Et je vais m'abstenir de vous rappeler de faire attention. Mais faites attention. Quels que soient vos plans. Je... Bien sûr. Dans votre hibou, vous disiez vouloir mon aide pour quelque chose. Tout à fait. J'ai pensé que vous pourriez aller rendre un service à mon amie Dorothy Sprottel à Campolar en haut. J'ai déjà rencontré Madame Sprottel, en fait. Campolar en haut. Nous avons discuté de son amie, Claire Beaumont. Elle est adorable. Son défunt mari, Aidan, était un ami de mon père. D'ailleurs, je logeais chez Dorothy et Aidan les étés où je travaillais ici comme serveuse, dans ma jeunesse. Je l'ai vue quelques fois depuis la mort d'Aidan, mais en ce moment, le pub me prend tout mon temps et je n'ai pas pu être aussi présente que je l'aurais souhaité. J'aimerais que vous passiez la voir. Elle a sûrement besoin d'aide pour récupérer les ingrédients utiles à la fabrication de ses potions Wiganweld. Et que vous pourriez récupérer quelque chose pour moi dans la foulée. Une boîte remplie de vieilles lettres. Eh ben faisons ça. Je vais essayer de passer la voir. Ce serait formidable, pour moi comme pour Dorothy. Aidan m'a porté la boîte de lettres quand il est tombé malade. Dorothy saura vous dire à quel endroit il l'a lâchée. Vous trouverez le hameau au nord de Préolard. Dites bonjour à Dorothy de ma part. Alors, on va se TP, hein, si possible. Attends, j'ai que des quêtes. Ah, bah oui, il y a celle qui est là. Est-ce que j'avais une autre quête quelque part ? Je ne sais plus. Il y a encore beaucoup de trucs à fouiller. On n'a pas vu grand-chose finalement. Une bonne moitié, je dirais. C'est quoi ça ? Ah oui, c'est... Ok, c'est bon. C'est validé. C'est ici, ben on retourne... tiens, on va aller faire le truc de Merlin. On retourne là où il y avait la quête, hein, la fameuse quête. La forêt, les bougies, tout ça. Vas-y, on va vite fait aller faire le truc de Merlin en à côté. En route pour de nouvelles aventures ? Réveillons. Eh oui. Merlin, où es-tu ? C'est quand même pratique de pouvoir voler. Ah oui, je me souviens. Je me souviens, c'était... Il nous fallait Fireball. Revelio. Un ici, un là-bas, et l'autre était tout là-bas. Confringo. Revelio. Alors, ce qui est bien, c'est qu'une fois activé, c'est tout le temps activé, quoi. Confringo. Revelio. Pour le coup, c'est beaucoup plus simple comme ça. Waouh. Oh, il y a un coffre en dessous, là. Bah c'est des coffres, mais il y a des trucs en dessous. C'est de toute beauté. On a vu cette animation 10 000 fois. On va me faire chier. Mais c'est... Rebellion. Je suis pressé. Ah, c'est des loups! Putain, j'arrivais pas à savoir ce que c'était.
J'aimerais bien réussir cette quête. Je me demande qui vivait ici. Je sais ce que c'était, ça. Est-ce qu'il y a un pont ici? Il y a un pont. Ce serait pas ce pont. Je ne pense pas. Ça m'en fout. Cette quête me rend fou. Cette quête me rend fou, quête. Tu sais, la carte avec des bougies flottantes. En fait, c'est ça qui me perturbe. C'est quoi les bougies flottantes? Genre, j'ai ça, moi? J'ai pas de bougies flottantes, comme ils appellent ça. Ah, c'est pro là. Je n'ai pas de bougie flottante, donc comment je fais ça, moi? Moi, je ne sais pas. On dirait que ce lieu... Ah! Camp Polar en haut. Où se trouve Madame Sprottel? Revelio. Allô, c'est curieux, c'est curieux. Oh. Ce fut vite, ce fut bref. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Une demi-guise. Une demi-guise. Je bois et on va dormir. Je te vole ça. Mais non. Revelio. Hop là. Allô, Mora. Du 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 du. Du 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 du. Ça fait très pas cassé avec la musique. Revelio. Oh. Légendaire. Un petit bout. Je vois une serrure là-bas. On va se la faire. Oh. C'est une serrure, c'est ça? Revelio. Quel est l'intérêt? Cassé. Revelio. C'est quand même très pratique ça. Il y a des bestioles là-bas, je vais en capturer. Hein. Et après on va faire la quête. Hein.
Je sais pas si j'avais déjà eu un, mais j'en ai eu un. Calme-toi, je ne te veux aucun mal. Non, je pense pas que j'en ai eu un. Du coup, la quête. Non, j'ai dit la quête, pas la carte. Tac. L'endroit semble être assez agréable. C'est un plaisir de vous revoir, Madame Sprottle. En fait, c'est Sirona Ryan qui m'envoie prendre de vos nouvelles. Oh, cette chère Sirona, une perle. Une perle depuis toujours. Elle a pensé que vous auriez besoin d'aide pour trouver des ingrédients de la potion Wiganweld. Et elle a eu raison. Mon cher Aidan les récupérait pour moi. Depuis sa mort, mes réserves s'amenuisent. Toutes mes condoléances, Madame Sprottle. Oh, merci. L'amour de ma vie. Sans lui, je suis perdue. Si vous acceptez de récupérer des Horglups pour moi, je serai ravie de vous dédommager pour votre peine. Croyez-le ou non, j'en ai sur moi. Oh, merci! Oh, c'est formidable! Les marchands itinérants seront ravis de pouvoir réapprovisionner leur stock de potions Wiganweld. Sirona a aussi dit que Monsieur Sprottle devait lui remettre une boîte de lettres quand il est tombé malade. Tout à fait! J'avais presque oublié. Je l'ai retrouvée juste avant la mort d'Aidan. Il voulait la rapporter à Sirona et en profiter pour boire une bière au beurre ou deux. Ces deux-là étaient comme de beaux trucs sur une branche. Aidan est tombé malade alors qu'il récupérait des Horglups en chemin. Il a réussi à rentrer à la maison, mais il a dû lâcher la boîte dans la grotte. La grotte se trouve dans les collines, juste au sud-ouest du hameau. Qui s'y colle. Vous y trouverez des Horglups et la boîte de lettres. Merci, Madame Sprottle. Merci. Merde! Bon, pas important. J'espère que tu sais ce que tu fais. Attends, du coup, il y a cette grotte là, je dois pouvoir faire. Il me fallait le Mora 2, je crois. Ou 1. Ah, super. Incendio! Action! Incendio! Maintenir un ennemi en l'air. Attends, je vais tuer lui là. Et toi, tac. Action. Levioso. Incendio. Arresto momentum. Descendo. Expelliarmus. Ben voilà. Ah non, c'est niveau 3. Ah, c'est niveau 3. Ce doit être la grotte mentionnée par Madame Sprottle. J'avais déjà été dans celle-là, non? Il me semble que j'avais déjà fait. Donner les Horglups à Madame Sprottle. Ouais, j'ai déjà fait regarder la carte. Je peux encore aller dans la grotte et je ferais mieux de jeter un œil. Histoire de voir si je trouve des Horglups et la boîte de lettres. Rebellio. J'ai récupéré tous les Horglups. Madame Sprottle va être ravie. Non mais wesh. C'est là on a affronté le troll et tout. Là. Ah, ça apprendra à faire les quêtes avant de... d'explorer avant d'avoir les quêtes. J'ai récupéré tous les Horglups. J'ai rien fait. Ils auraient pu nous dire on a déjà fouillé la grotte machin. Hein. C'est quoi cette perte de temps là? Quoi? C'est bon non? Ah non, faut que je récupère les lettres maintenant. Ok. Autant pour moi. Qui n'était pas là la première fois qu'on est venu, je suppose. Revelio. Je devrais examiner les lieux et voir si je trouve la boîte. Incendio, Confringo, Revelio. J'ai récupéré tous les Horglups. Madame Sprottle va être ravie. Oh non, mais non. Soit j'affronte ce troll, soit j'essaye de l'éviter. Levioso, Repulso. On va l'éviter, hein. J'ai un peu la flemme. Revelio.
On l'a déjà affronté. Donc flemme. Oh putain, il y en a 5 à lire. Alors, cher Sironera, quand je suis arrivé ici, j'ai eu le sentiment que de bien des manières, j'étais différente des autres élèves de première année. J'avoue avoir pensé que Poudlard n'était pas l'école qu'il me fallait et j'ai été tenté d'envoyer un hibou à mes parents pour leur demander de venir me chercher alors qu'à peine une semaine de cours s'était écoulée. Comment as-tu su ? Je doute que tu sois une légilément qui s'ignore. Je sais pas ce que c'est. Mais je me demande comment tu me connaissais mieux. Comment tu me connaissais mieux que je ne connaissais moi-même. Ce jour-là, au Trois Balais, quand tu m'as aperçu recroquevillé dans un coin, les yeux fixés sur une bière au beurre encore pleine, et à part chemin vierge avec ma plume qui goûtait par terre, et que tu es venu t'asseoir à mes côtés, eh bien je ne pourrais jamais t'oublier. J'ai senti qu'on m'enlevait un poids, comme si on venait de me lancer un sortilège de lévitation quand tu m'as avoué la nervosité qui était la tienne à l'idée de venir étudier à Poudlard. Je t'ai regardé et j'ai vu en toi une sorcière parfaitement sûre d'elle et épanouie. Dans les jours qui ont suivi, j'ai été frappé de voir à quel point, sans même utiliser la magie, tu parvenais à charmer chaque élève en acceptant pleinement leur personnalité et en assumant la tienne. Ce fut une véritable révélation pour moi. Je me suis rendu compte que je pouvais en faire autant. Maintenant que nos études se terminent, je vois tout le chemin accompli par la première année. Apeuré que j'étais, et je sais que si tu as eu la bonté de venir me parler, c'est que tu t'es reconnu dans cette misérable créature au fin fond du pub. Bien à toi, Mirabel PS, dites à mademoiselle Sprottle. Que je ne compte toujours pas leur rendre service à elle et son mari dès que j'entrerai le temps. Que je compte toujours me rendre, papa. J'ai hâte de retrouver leur charmante compagnie, je n'ai pas honte de l'admettre. C'est incomparable, fondation de chaudron. Mais dis pas que je dois toutes les lire. Ok, ça va. Serge Sirona, j'ai invoqué ce petit cadeau pour toi en témoignage de ma gratitude. S'il ne m'avait pas défendu lors de l'entraînement de Quidditch de la semaine dernière, j'aurais pu quitter l'équipe et voilà que nous avons remporté la coupe de Quidditch. C'est vrai que ne serait pas la même sans toi. Bien à toi, Sun. Ma chère Sirena, j'ai envoyé un message, je sais pas, à monsieur et mademoiselle Sprottle pour le remercier de leur hospitalité, mais j'ai ressenti le besoin d'écrire toute ma gratitude sur le parchemin. Je passais un meilleur moment hors du château, un merveilleux moment. Je me rappelais tout longtemps j'arrive pas à lire aujourd'hui, c'est terrible. Je me rappellerai longtemps du fou rire que nous avons eu au sujet de ce gnome ridicule pensait-il vraiment savoir chanter? Et ne parlons pas de la tourte au bœuf et au rognon de mademoiselle Sprottle. Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je préfère tout de même te prévenir que je ne ferai pas de cadeau lors du match de la semaine prochaine. C'est bien que Serdaigne ne fait pas le poids face à Serpentard cette année. Avec tous mes remerciements, fini machin. Ce doit être la boîte de lettres de Sirona. Cher Sirona, bon anniversaire mon ami. Je me suis faufilé dans la cuisine et je demandais à Finky. De préparer ton dessert préféré, celui à la crème et aux framboises, elle a accepté avec plaisir, mais je ne sais pas où elle a trouvé des framboises en cette saison. Elle est vraiment incroyable, cette Frankie Bess. Je devrais donner cette boîte de lettres à Sirona. Elle sera heureuse de la récupérer. Chère mademoiselle Sprottle, mère et père ont été ravis d'apprendre que nous avons passé l'après-midi à Gachifon samedi dernier. Pour être honnête, je crois bien que ma mère a été quelque peu jalouse. Je m'appellerai longtemps de combien nous avons ri de toute l'énergie déployée à lasser le corsage de ma nouvelle robe, un véritable défi, de même que cette épingle à chapeau qu'il ne faudrait placer sans abîmer le chapeau ni ma tête. Mais ce que nous avons choisi ne me plaît beaucoup. Et c'est à vous que je dois de me sentir aussi élégante aujourd'hui. J'ai aussi pris beaucoup de plaisir à dîner aux Trois Balais sans avoir nettoyé les tables. J'aurai un établissement similaire un jour, croyez-moi. Monsieur Sprottle et vous me rendez un fier service en me permettant de loger chez vous et je sais que mes parents le voient aussi de cet œil avec toute ma gratitude si on a. Je pense que j'ai tout. On se casse. Et retournons voir madame. Je l'avais fait ça? Ah oui, c'est l'entrée du. C'est l'entrée du donjon que je viens de faire, littéralement. Et je m'en vais. Fou. Ah, mais relou. J'ai parfois quoi? On sent que tous les chemins mènent à Poudlard, c'est ça? J'aurais dû me TP en vrai. J'ai pas réfléchi.
Je n'ai pas réfléchi. J'ai jamais vu ici. Revelio. Revelio. Oh. Alors, le propriétaire est une fervente protectrice de ces créatures et vous achètera à bon prix toutes les créatures ayant besoin d'un foyer séché. Pique épais que vous trouverez tous les sous-produits de créatures comme des plumes de fossifiales. Ah. Buongiorno. Bonjour. Ah, bienvenue à Pique Épec. Je suis Ah mais c'est ça. Je préfère vous prévenir, je n'ai plus de fourrure de flaireur. Pour les mandragores. Un marchand de louterie Sainte-Chasse-Poule m'a acheté tout mon stock et il a insisté pour que je lui apporte en personne, même si pour cela j'ai dû fermer la boutique. Apparemment, il avait eu une mauvaise expérience avec quelqu'un qui lui avait envoyé des poils de Womatou. Ce devait être un Américain, pour sûr, car ici nous n'en avons pas. Enfin bref, que cherchez-vous? De la peau de veau de lune? Des plumes de Dirico? Je devrais en avoir la semaine prochaine. J'ai un mal fou à en trouver. Ces oiseaux disparaissent sans cesse. C'est vraiment pénible. Je vendais des Dirico dans ma boutique avant. Mais quand les clients rentraient chez eux, le fichu volatile avait disparu et ils voulaient tous être remboursés. Ce n'est peut-être pas l'article idéal à vendre. Avouez-le. Je vois que vous aimez bien donner votre avis. Ce n'est pas parce que nous sommes un village de sorciers que ces choses apparaissent par magie pour autant. Cela prend du temps de rassembler ces plumes. Ne me lancez pas sur le sujet des fossifères. La plupart des fournisseurs de plumes de fossifères pourraient être admis à Sainte-Mangouste. C'est peut-être à cause des fossifères que vous avez eu l'idée saugrenue de proposer des Dirico. Oh, vous avez du culot. Vous inquiétez pas, cela ne me dérange pas. Je n'ai jamais eu la langue dans ma poche, moi non plus. Sachez que ma priorité est de m'assurer que toutes les créatures sont entre de bonnes mains. C'est bien pour les créatures, comme pour les affaires. Enfin bref, je vous laisse faire un tour dans la boutique. Les produits sont sans cesse renouvelés. Et pas seulement parce qu'ils disparaissent. Je vous conseille de venir dès que vous avez besoin de quelque chose. Car les articles pas... Merci, je n'y manquerai pas. Voyons ça. Qu'avez-vous à la vente ? Voyons, voyons. De quels sous-produits de créatures avez-vous besoin ? Et non, il n'y a pas les trucs de Mandragore. Pourtant, pique et pec, il me semblait que c'est ça. Il me semblait que c'était ça. Ça ne me dérange pas de commercer avec certains clients. Vous savez où me trouver. On peut se faire plein de thunes avec ça. On peut se faire plein de thunes avec ça. Ok, ok, bon, pour fermer la team, on sait quoi faire. Je serais ravi de vous revoir. N'hésitez Rébellion. Pas à revenir quand l'envie vous en prendra. Ah, il me semblait que Pikepek c'était ça pour les Mandragores, mais apparemment je me suis trompé. Je me suis trompé. Allô, Mora. Revelio. Revelio. Oh. Un item rare. C'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a. Ah mais... Ah. Je vois où je suis. Revelio. J'ai compris. Coucou. Comment j'ai pu louper ce coffre? Allô, Mora. Il est énorme. J'imagine pour le 100%, faut se souvenir de chaque serrure, si ça change pas à chaque fois.
Revelio. C'est juste pour ça? Non. Et bah c'est très décevant, au moins qu'il y a l'escalier derrière ça. Non. Très posé. Attends, je suis jamais rentré ici là? Mais qu'est-ce que je fais? Bonjour, je ne fais que passer. Revelio. Non, c'est pas ça que je voulais. Je vais vous voler vos équipements. Ça vous dérange pas, j'espère. Allô, Mora. C'est trop facile. Tu es à moi. Revelio. Ah, il y a une guise. J'ai pas eu le temps de lire, mais à chaque fois qu'il dit ça, ouais, c'est parce qu'il y a une guise. Demi-guise. Ok. Du moins qu'on est à niveau 3. Hein. Dès qu'on arrive au 3, on pourra finir le jeu. Hein. On pourra tout faire. Revelio. Putain, mais je suis obligé de taper un détour là. Le magasin de qui c'est, ah oui. C'est un plaisir de vous revoir. Ouais, mais non, je m'en vais. Oh, je crois que c'est niveau 3 ça. Allô, Mora. Revelio. Tu as moi de Miguise? Non. Je prends. Hein. Après, on est deux jours là. Mais je n'en vois pas, donc je pense pas. Allez, descends. J'ai vraiment loupé ces coffres là. Allô, Mora. J'ai oublié tellement de trucs. Revelio. Mais encore. Pas de demi-guise. Déception. Allô, Mora. J'ai raté plein d'Allô, Mora ici, c'est terrible. Cette synchronisation incroyable. Revelio. Il reste 4 guises à avoir ici. Tu es à moi. Allô, Mora. Mais j'avais sauvegardé la dernière fois parce que j'ai l'impression d'avoir fait tous les verrous et tout. Et... ou alors c'est que des deux depuis tout à l'heure et je fais pas gaffe. Et du coup, bah. Ouais. Revelio. Plein de trucs ici. Parce que de la merde, mais bon.
Ah, Miz. Incroyable. J'imagine qu'Eddie est content de retrouver. Ah oui, oui, c'est bon, je suis. Revelio. Calmez-vous, calmez-vous. Niveau 3, niveau 3. Niveau 3. Non, niveau 2. Allô, Mora. Monsieur, poussez-vous, s'il vous plaît. Je ne peux pas croster si vous avez votre grosse tête en plein milieu de l'écran. Ah, s'il vous plaît. Un peu de pudeur. Revelio. Pas de demi-guise ici? Oh bah. Je ne vais pas laisser un coffre vide. Je vais laisser ce coffre dicter sa loi. Merde. Ça me trigger ça. Revelio. Oui, je les connais. Est-ce que il peut y avoir des ennemis? Forcément des araignées. C'est pas drôle. Ciao les nazes. Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Tout ça pour utiliser des potions, hein. Tout va bien. Revelio. La question que tout le monde se pose, est-ce que je peux capturer ces poules ? C'est vrai. Ok, c'était où déjà? Je l'ai pas ramassé lui. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à... Ça, tu l'as déjà dit. Non, j'ai pas perdu. C'est au-dessus, bien sûr. Revelio. Ok, c'est ici. Non, je suis... Oh là, c'était bugué. C'est bon, j'ai retrouvé. Ça m'aurait fait chier.
Voilà. Revelio. Yo 3, je peux pas. Bou. Revelio. Ils ont sûrement raté les guises, les demi-guises. Mais bon. On va pas non plus passer notre vie à aller fouiller. Allons plutôt voir madame. On prend le tour. Pas deux fois. Mais s'introduire dans la maison d'Alfred Lollet n'était pas une bonne idée. Bonjour, Sirona. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai pu donner à votre amie, Madame Sprottle, des hors-glupes pour sa potion Wiganweld, et j'ai trouvé votre boîte de lettres. Oh, merci. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. C'est un plaisir d'avoir pu aider. Madame Sprottle vous passe le bonjour. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle et sans Aidan. Merci encore de l'avoir aidée et de m'avoir rendu cette boîte de lettres. C'est agréable de retrouver de tels souvenirs. Tout ça pour ça. Ok. Mon niveau quête, go principal, je pense. 40%, ouais, go principal. Ça, je sais pas, ça, bah, ça se fait au fur et à mesure et ça, pareil. Hop. On est à 40%. On avance bien, en vrai. 20 heures de jeu, 40%. Bon. Après, ça va être de plus en plus long, bien évidemment, puisque... Faudra qu'on complète des trucs, des petits trucs de merde par-ci par-là, mais bon. Alors, on va se TP là. On va faire les petits trucs en chemin. Hein. Tant qu'à faire. Genre ça, par exemple. Ouvrez l'esprit. Revelio. Revelio. Allô, Mora. Allô, Mora. Ch'ting. D'ailleurs, j'aurais dû vendre des petits trucs. C'est ce que je vais faire. Parce qu'à mon avis, j'ai plus beaucoup de place. À mon avis, je n'ai plus beaucoup de place. Est-ce qu'il y a un marchand? Oui, il y a un marchand ici, c'est sûr. Voilà, il est juste là. J'étais parti retourner après au lard et tout. Bonjour, c'est un plaisir. Moi, que proposez-vous? Alors, que proposez-vous à la vente? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Bon, tout ce qui n'est pas point d'interrogation, je pense. Parfait. Merci de votre réveillon. Pas de souci. Pas de soucis, je vais prendre le rallonge-jaï. Ah, c'est pour une course, pour une future course. Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Revelio. Oh, des œufs. Je crois que j'allais me faire chier. C'est des fous. Incendio. Incendio. Revelio. Tout s'est pété gueule.
Hop, donne-moi ça. Ça va falloir faire... l'emmener je ne sais où. Ah bah, ce sera pour ouvrir le temple. Quelle idée. Ok, le dernier est là. Peut-être une. Bah go ouvrir bonjour. Mais il est où mon Wingardium Leviosa? Revelio. Bah. Action. Wingardium Leviosa. J'ai pas compris où est mon Leviosa. Action. Wingardium Leviosa. Ah mais oui, c'est ça. Wingardium Leviosa. Voilà. Après, ça s'ouvre pas. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Action. Wingardium Leviosa. Action. Wingardium Leviosa. Ah oui. Je sais pourquoi. Placus. Quoi? Là. Pourquoi? Rebellion. C'est totalement gratuit là ce qu'ils m'ont fait. You wish. Classus. Je vois. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. J'ai pas compris ce qu'ils m'ont fait. Là. Bizarre, bizarre. Ça m'intrigue. Revelio. Oh, je suis cassé. Ok, ça c'est fait. Le champignon que j'ai pas ramassé. J'ai ramassé. Ok, donc ça c'est fi. Si fi, si fi. Go là-bas. On va voir en chemin ce que c'est les petits points là. Des animaux déjà. Ces animaux qu'on connaît. Oui, il y a un coffre là. Nous devons fouiller consciencieusement ces amours. Renrock a déjà envoyé des troupes ratisser d'autres sites et vous transférer ailleurs ne fait que ralentir notre progression. Restez à votre poste, poursuivez les recherches, faites preuve de vigilance, nous vous préviendrons en cas de danger de changement. Revelio. Ok. Donc c'est les animaux qu'on connaît. Et du coup il y avait ça. Revelio. Pour une tasse de thé aux champignons. Ah, il fait ça à moi, lui. Tout va bien. Revelio. Tout va très bien. Qu'est-ce donc? Ah. Le truc de Merling. Ah, il y a aussi un donjon. On va faire le donjon là-bas. Voilà une agréable surprise. On va faire le donjon d'abord.
Confringo. Confringo. Revelio. Il y a quoi de beau? Vous êtes tout petit pour venir ici. Allez. C'est juste pour ça. C'est un peu nul ces trucs là, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça pas ouf. Tu descends, tu fais gauche droite, t'as un coffre. Confringo. Revelio. Confringo. J'en sais toujours pas. Oh, je suis trop loin. Revelio. Merlin lui-même aurait okay. De quoi être fier. Alors. Ah, mais j'ai loupé un truc. Ah, oui, non, c'est des animaux, ça. Ensuite, on va aller ici. Tout en aller checkant à gauche, là-bas. Voir ce qu'il y a de beau. Non, je le retente. 24 potions, je vais cramer des trucs comme ça. Allez, let's go. On se le retente. Genre mais c'est épais frère. Protège puis après tu fais. Bonjour. Incendio. Stupéfice. Gifindo. Confringo. Stupéfice. Glacius. Ok. Incendio. Confringo. Gifindo. Glacius. Protego. Stupéfice. Mais non. Confringo. Gifindo. Glacius. Mais roule frère. Confringo. Gifindo.
Incendio. Incendio. Action. Incendio. Oh. Incendio. Action. Descendo. Expelliarmus. Non, mais mourir, c'est ça. Arrête au moment, Tom. Si seulement Ranrock pouvait voir ça. Action. Incendio. Legioso. Repulso. Action. Incendio. Legioso. Ça me dégoûte. Stipendo. Arresto momentum. Descendo. Expelliarmus. Action. Incendio. Action. Glacius. Confringo. Stipendo. Confringo. Incendio. Il est typique. Incendio. Difindo. Confringo. Glacius. Action. Incendio. Descendo. Expelliarmus. Incendio. Action. Incendio. Ok, suivant. Mais wesh. Incendio. Merde. Confringo. Difindo. Glacius. Ouais, t'es pour ton campus, j'y dirais rien. Confringo. Incendio. Action. Difindo.
Confringo, Lassius. Kifindo, Confringo, Lassius. Incendio. Confringo. Kifindo. Lassius. Confringo. Protego. Ok. Non, pour la potion. Incendio. Bon, ça m'a l'air de... Action. Incendio. Seigneur Confringo. Confringo. Mais non, mais faut que j'arrête de tuer des ennemis qui ont un HP, putain. Tamir. Ça va mal finir pour toi. Confringo. Action. C'est pris. Incendio. Action. Incendio. C'est gentil à toi de passer. Action. Incendio. Tu vas souffrir. Pitoyable. Incendio. Action. Ce n'était pas très impressionnant. J'avais rien vu de tel. Oh, mais ta mère. Confringo, la quelle Confringo. Non mais wesh, c'est épais. C'est quoi ça? Non mais genre il touche là. C'est tellement de l'abus. Mais genre. Action. Incendio. Bon. On reviendra plus tard, hein.
Oh, c'est un enfer. Oh. Ouais, il faudrait que j'ai des maléfices. Je pense qu'il y a des maléfices, ça se fait. C'est un enfer, frère. Les ennemis qui t'enchaînent, tu peux même pas lancer un sort, t'es mort. Enfin, tu te fais enchaîner. C'est un enfer. Bon, du coup, c'est pas ça qu'on voulait faire de base, c'était ça. Il y a un truc à côté à skip. Revelio. Il y a un truc dans le château. Mais on est dans le château. Qu'est-ce donc ? Ça, on avait déjà vu. Non, mais on a déjà vu lui. On avait déjà parlé et tout. Ok. J'ai chaud. Il y a un truc juste en face de nous. Beaucoup de choses juste en face de nous. Il y a un jeu sous-marin. Wow, mais c'est quoi ? Oh, c'est quoi cette merde ? Alors, je propose de pas le faire tout de suite parce que j'ai l'impression qu'il y a moyen qu'avec la quête principale, on doive le faire. Quoique. Non, moi je pense pas. Allez, du coup, tenter de les allumer. Le rêve de Ranrock. Petrificus Totalus. Insectio. C'est bon. Tu disais, je m'en sortirais pas comme ça. Voilà. Ça s'est très bien passé. Vous inquiétez de quoi ? Tout va bien. Tout va merveilleusement bien. Qu'est-ce donc ? Ah, on est très déçu. Je pensais que c'était une plante. Je pensais que c'était une plante. Donc du coup là où c'est fait, Rebellion. Je te récupère. Non, il y a le papillon, c'est vrai. Oh, il y a des ballons. On va les faire après. Je vous suis. Petit papillon. C'est un peu cheaté ça. C'est quoi ça? Ah, c'est pour libérer les animaux. On va faire ça. Revelio. Alors, on fait ça. Ah, c'est pour le chat. Allô, Mora. C'est pour un chat. C'est pour un chat. Hop, un chat. C'est pour nous. Je veillerai bien sur toi. Ok, du coup, il y avait un truc en dessous. On va y aller. C'est une forteresse de fou furieux, de fou malade. Mais on va la faire. Revelio. Commençons par l'entrée. On va y arriver. On va y arriver. Oh. Commençons par là. On va y aller à pied. On va essayer. On va essayer d'être furtif. Revelio. Je dis bien essayer. C'est un peu loin. Je voulais cibler pour le niveau. Niveau 27. Ça va le faire, ça va le faire.
J'ai un frère. Merde. Quelle performance. Qu'est-ce qui s'est passé? Action. Action. Kikindo. Quelle puissance. Classique. C'est moi qui disais. Les vieux sont. Action. Senjo. J'aurais pu faire ça vraiment. Action. Non. Descendons. Arrête au moment. Fédermes. Action. Incendio. Leviosa. Faut que j'en tue 100. Oh putain. Quel enfer. Revelio. Ça s'est bien passé, hein. Très discret, tout ça. On s'en est bien sorti, je trouve. Quand ils me font tellement mal. Heureusement que j'ai amélioré les potes, parce que... Putain. Oh non, j'entends bien Sting. Juste aller choper les ballons tout de suite, ce sera fait. Oh non, il y en avait un derrière. Non. Revelio. Bah. Il doit être derrière là-bas du coup. Non, je vois pas. Ah si, c'est bon. C'est Bamban. C'est Bamban et Antessus. Et boum. 2 sur 10. Ok, reprenons notre... donjon spécial. Est-ce qu'on ferait pas la grotte d'abord? On va totalement faire la grotte d'abord. Hop, plouf. On est mort, on avait pas de sort pour respirer. Revelio. Revelio. Oh. Ok, c'est un donjon... Action. C'est un donjon spécial. Revelio. Je pense. Je pense que le jeu nous ira emmener dans tous les cas. Yépin, yépin. À moins que ça soit fini. Là. Ce qui serait très décevant. Bah, je crois bien que c'est fini. On va remonter à la surface voir, mais à mon avis, que me dit la carte? La carte me dit va te faire foutre. Ça avait l'air stylé là, pourquoi c'est pris à rien? Ah non, il disparaît de la map, c'est bon, on l'a fait. On est très déçus. Alors! Faut que je monte à l'échelle. Ah, tu peux être furtif et monter aux échelles. J'ai mangé depuis des années, trop bien. Vraiment. Pour pas avoir besoin de remanger avant la semaine prochaine. Ah, je suis monté, d'accord. Je suis monté, mais pas du bon côté, ça fait des choses. Réveillon. Pas très. Un peu spécial. Pourquoi je continue à monter, moi? Qu'est-ce que ça m'apporte de monter? Hâte que cette journée se termine. Pourquoi? Confie-toi, nous. Je pense qu'il va falloir qu'on vienne. Hein. Je suis quasi sûr qu'on doit venir ici dans l'histoire. Enfin, dans la quête qu'on va faire. Ou une des quêtes qu'on va bientôt faire. Oh, oh. Ah mais il est de dos lui. Je reconnais ça, il est mort. Petrificus totalus. Petrificus totalus. Revelio. Et on a 1h20 d'épisode, il serait peut-être temps de s'arrêter. Bon YouTube. J'espère que c'est peut-être t'a plu, gros épisode, hein, j'avais pas vu le temps.
Je vous dis du coup à demain ou à dans 2 jours, ça dépend, parce que maintenant en fait sur ces épisodes du coup elle a bougé tout mon planning, voilà, je vous le dis, c'est dit, elle m'a bougé tout mon planning, c'est terrible. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour être au courant de quand on stream tout ça. Faites de beaux rêves, à la prochaine, bye bye.